Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence qui a pour thème du jeu de rôle à l'écriture de romans. Nous avons ici présent David Meulman, qui est éditeur, Jérémy Ruef, qui est éditeur également, Caroline Binot, auteur, et Guillaume Delacour, auteur et illustrateur. Voilà, cette conférence a été organisée par Caroline Vipacon, mais qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. On tient quand même à la remercier d'avoir organisé ceci. Voilà. Donc, c'est une conférence interactive, c'est-à-dire qu'à la fin, vous pourrez poser des questions. N'hésitez pas, on ne mord pas, il ne mord pas non plus. Voilà. Donc, bonne conférence. Ça va, on m'entend ? Donc, en l'absence de Caroline, c'est moi qui vais animer un petit peu la conférence, mais je vais surtout laisser parler tout le monde. Donc, le thème de la conférence, c'est du jeu de rôle à l'écriture, parce que je pense que le point commun de nous quatre, c'est un peu d'avoir fait pratiquer du jeu de rôle avant ou pendant notre démarche d'écriture. Donc chacun va se présenter à son tour, un petit peu, de dire ce qu'il fait, d'où il vient, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors bonjour, je suis David Meulman, je suis le créateur d'une maison d'édition qui s'appelle Aux Forges de Vulcain, qui existe depuis 7 ans maintenant, qui fait des romans et des essais qui sont en partie dans la SF et la fantasy. Et parallèlement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je participe à cette table ronde, j'ai une structure qui s'appelle DraftQuest, qui fait des ateliers d'écriture en collège, en lycée et pour adultes, et qui fait notamment des ateliers d'écriture en ligne qui sont gratuits. Voilà. Donc Guillaume Delacour, moi je suis auteur et dessinateur de bande dessinée. Donc je publie entre autres la série Ariane Dabo, que vous voyez là, chez Yil Édition, un éditeur indépendant spécialisé en bande dessinée. Moi Jérémy Ruef, je suis éditeur de jeux de rôle principalement. Pas que, mais c'est l'activité principale. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille avec une structure qui s'appelle les Écuries d'Ogias. Donc c'est une structure où on fait du jeu de rôle, c'est un studio de création à la base, et j'ai une structure à côté d'édition qui s'appelle SICO. Donc on défend les jeux comme ça. Et bonjour, je suis Caroline Blinot. Alors moi je suis illustratrice, auteur et je suis aussi professeure d'art appliqué. Moi je pratique le jeu de rôle, ça va faire une dizaine d'années. J'ai commencé par les forums RP, je vous expliquerai un petit peu après comment m'est venue ma soif d'écriture, et plus spécifiquement comment je suis venue du JDR à l'écriture de romans, qui est l'une de mes activités en ce moment. Voilà. Et moi principalement j'ai écrit la série Les Pierres Écarlates, dont le tome 1 est sorti en février dernier, et qui est édité chez Nanachi Édition, donc une petite maison indépendante également, et voilà. Alors, puisque Caroline a commencé à parler de son expérience du jeu de rôle, je te propose de poursuivre là-dessus. Donc, expliquer un petit peu quelle est ton expérience du jeu de rôle, comment tu y es venu et comment ça t'a amené à l'écriture. Alors moi, comme je disais, initialement, je viens du monde des RP sur forum. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu connaisseur ou même vous avez déjà pratiqué le forum RP. Donc c'est un petit peu comme du JDR papier pur et dur, mais axé sur l'écriture numérique. Donc vous n'avez pas forcément l'interaction d'un jeu de rôle papier en direct. Vous avez votre temps de réflexion, votre temps de réponse, de construction de personnages, etc., etc. Et à partir de ça, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à faire du jeu de rôle pur et dur sur papier avec un MJ excellentissime et que je continue toujours de suivre avec assiduité et qui nous propose diverses campagnes. J'ai pu aussi m'essayer à faire aussi des campagnes de mon propre
propre chef, notamment sur l'univers de Donjons et Dragons, Pathfinder. Mais voilà, actuellement, je suis plus dans l'univers de vampires, un petit peu du Cthulhu aussi, j'ai essayé de m'engager là-dedans, et surtout aussi du Star Wars. Voilà. Et donc du coup... Et ça, ce qui m'a amené à l'écriture, en fait, bon, déjà de base, c'était une passion, hein, clairement. Quand je me suis inscrite sur mes premiers forums RP, c'était dans cette volonté de créer un personnage, de pouvoir interagir avec d'autres personnes comme moi, entre guillemets, parce que j'étais vraiment toute jeune, j'étais ado quand j'ai commencé. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer, d'aller vers les autres, de m'ouvrir à cet univers que je connaissais pas du tout et qui s'est développé, je pense, à ma génération. Enfin, vous allez m'arrêter si... Voilà. Mais voilà. De là, je me suis peu à peu orientée vers l'écriture, les techniques un peu plus littéraires, me suis perfectionnée, j'ai eu beaucoup de critiques, à force d'avoir des interactions, mon style a évolué, et en fait l'écriture de roman est venue d'une manière un peu naturelle, et en fait c'est par une surprise, parce que je prétendais pas du tout écrire de roman ni quoi que ce soit. J'écrivais, et j'écris d'ailleurs toujours pour moi d'abord, et je pense que c'est le plus important, écrire déjà pour soi. Et ça s'est fait par hasard, parce que je suis aussi illustratrice en freelance, et en cherchant des petits contrats dans les maisons d'édition pour faire les couvertures de romans, je suis tombée sur Nanachi, qui m'a proposé non pas une collaboration sur l'illustration, mais de m'acheter directement mon roman que je n'avais pas terminé et que j'ai dit terminer très vite. C'est-à-dire dès le lendemain, j'avais le contrat d'édition en main et je devais vite terminer mon premier tome des Pierres Écarlates. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment pas par surprise, parce que personne, ma famille qui est là aussi, n'était pas du tout au courant. Vraiment, ça s'est arrivé d'une manière un peu impromptue. Mais voilà, et je n'ai pas regretté. Donc ça s'est arrivé par hasard, un bel hasard. Et puis voilà, je suis maintenant dans le cursus, on va dire. Voilà. Donc le JDR m'a beaucoup aidé dans ce sens, dans le développement du style, etc., etc. Et de prendre confiance en moi, surtout. Je pense que c'est un bel outil sur tous les forums RP, de prendre confiance en soi, d'incarner un personnage, de développer sa créativité, son imagination. C'est vraiment, en tout cas pour moi, quelque chose de passionnant et qui me permettait d'un peu expulser tout ce que j'avais en moi. Voilà. Je pense que vous aussi, peut-être en JDR, c'est comme ça aussi. Enfin, voilà. Mais je pense que j'ai laissé parler mes collègues sur le JDR un peu plus papier. J'en fais aussi, mais voilà, l'interaction n'est pas le même, et je pense que la sensibilité aussi derrière, et la réactivité. Surtout parce que le RP a le temps de réponse, on peut répondre un peu comme on veut, mais quand on incarne un personnage en JDR papier et qu'on est face à notre MJ et qu'il nous dit voilà, t'as la reine des elfes devant toi, elle te regarde d'un regard noir, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, donc les réactions et les constructions de personnages sont pas les mêmes qu'en forum RP, par exemple. Je vais laisser parler. Donc je vais passer la parole à Jérémy, qui est donc éditeur de jeux de rôle. Donc il va nous expliquer un petit peu s'il est créateur ou s'il travaille avec des créateurs, et comment on passe de joueur à créateur et à publier des jeux de rôle. Moi, à la base, j'ai intégré un studio de création parce que j'avais été recruté en tant qu'auteur. Parce que je faisais un peu d'écriture, etc. à côté, j'ai aussi fait du forum RP. Et il s'est trouvé que l'éditeur qu'on avait à l'époque en tant que studio de création, on s'occupait pas de l'édition, a mis la clé sous la porte. Et du coup, il a fallu que trouve une solution, soit qu'on laisse tomber, soit qu'on reprenne l'activité nous-mêmes, soit qu'on la propose à un autre éditeur. Et en fait, on a décidé de se lancer. Donc on est devenu éditeur associatif au départ, en amateur, comme ça. Donc d'auteur, parce qu'il a fallu que je trouve que je fasse une autre activité. Et c'est petit à petit comme ça qu'il y a un travail d'analyse qui s'est fait justement sur comment l'écriture, effectivement, écrire, que ce soit pour un forum ou pour des nouvelles, du roman, des choses comme ça, peut être appliqué dans le cadre du jeu de rôle. Parce qu'effectivement, notamment quand on parle de scénario, de choses comme ça, on va être amené à créer des personnages, à créer une intrigue, mais on ne va pas les présenter de la même façon que dans un roman. Et c'est ces éléments-là qu'il faut un petit peu analyser pour s'adapter, pour justement ensuite pouvoir traiter,
choisir un propos et un style aussi. Parce que, mine de rien, un jeu de rôle, c'est intéressant parce qu'on donne des univers, etc. Mais si vous avez l'impression de lire juste une encyclopédie, on peut s'endormir dessus. Donc c'est pas mal aussi d'avoir un petit peu quelque chose qui soit intéressant à lire aussi. Donc voilà, qu'il y ait une narration, un propos, une dynamique dans le texte aussi. Et c'est vrai que c'est un travail d'éditeur pour le coup, qui c'est utile d'avoir eu le côté écriture avant, clairement. Et je continue hein, de toute façon d'écrire à côté. Mais voilà, je sais plus que. Sur le fait de passer de joueur à créateur, alors j'ai toujours été un petit peu amené à. J'aime bien explorer et toujours aller plus loin en fait dans ma quête de connaissances, de savoir, etc. Et donc effectivement, ben, jouer c'est bien, mais il y a un moment donné où j'ai envie de raconter mes histoires aussi. Et, que ce soit via l'écriture ou via l'interaction effectivement du jeu de rôle. Et qui est une autre forme de contrainte pour un créateur, puisque effectivement on laisse d'autres personnes intervenir. C'est un peu comme de l'écriture à 3, 4 personnes, donc c'est collaboratif et mine de rien on veut quand même aller quelque part, si possible là où on a décidé. Il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'on les emmène par la main. Donc c'est un peu là tout l'intérêt du jeu de rôle aussi, c'est de faire en sorte de raconter une histoire alors que tout en ayant des gens en face qui pensent que c'est eux qui créent l'histoire. Et c'est un vrai exercice de style en termes d'écriture, mais aussi en termes de maîtrise et de discussion, d'interaction. Donc voilà, c'est petit à petit, je voulais toujours aller plus loin, explorer de joueur, meneur, créateur et éditeur. Donc voilà, un petit peu le parcours. Alors David, donc toi tu es éditeur et tu as créé un site. Donc pareil, tu peux nous expliquer, est-ce que tu as commencé par le jeu de rôle et ensuite tu es arrivé à ton activité, ou est-ce que c'est par ton activité que tu as découvert le jeu de rôle, enfin comment ça s'est passé? Alors, moi j'ai une très très longue pratique du jeu de rôle classique en dur et qui a commencé en 85 avec Donjons et Dragons, et puis après j'ai fait tous les jeux classiques, donc dans l'ordre j'ai dû faire Donjons et Dragons, Cthulhu, Paranoïaque, Vampire, Cyberpunk, Shadowrun, et maintenant j'ai une pratique qui est moins régulière, mais donc je venais vraiment du jeu de rôle classique, et en fait dans les années 80 c'était parfois un peu difficile de trouver d'autres joueurs, surtout si on était un peu jeune, et donc je m'étais tourné vers les livres dont vous êtes le héros. Et les livres dont vous êtes le héros qui maintenant ressortent ces jours-ci, c'est-à-dire que Gallimard ressort les livres de vous êtes le héros de Jackson et Livingstone qui datent de 85 à 88, mais entre 85 et 88 ça a été un immense succès en France, des trucs comme Le sorcier de la montagne de feu, Les défis fantastiques, ce type de choses. Et donc j'ai commencé par ça, j'ai même appris à lire dans ce type de livre, et ça m'a donné l'idée qu'un livre pouvait avoir un format un peu différent que juste une narration classique. Et en fait c'est toujours resté, donc après pendant toutes mes études je me suis toujours occupé de la feuille littéraire de mon collège, de la feuille littéraire de mon lycée, de ma prépa, de la fac où j'étais, et voilà, donc je suis petit à petit dirigé vers l'édition. Et en fait quand je suis devenu vraiment éditeur, en fait quand vous créez une maison d'édition, vous créez votre site web en disant on a une maison d'édition, vous commencez à recevoir des tonnes de manuscrits, ça arrive très très vite. Et ce qui m'a frappé, c'est que même si on reçoit des tonnes de manuscrits, souvent on a du mal en tant qu'éditeur à trouver dans les manuscrits ce qu'on veut. Et ce qui est assez frappant quand on lit beaucoup de manuscrits, c'est que souvent c'est les mêmes erreurs qui apparaissent dans les manuscrits. Et le travail d'un éditeur, c'est pas d'apprendre aux écrivains en herbe à mieux écrire ou des choses comme ça, puisque l'éditeur, lui, il doit s'occuper uniquement des auteurs qu'il publie, parce que déjà il n'a pas beaucoup de temps, donc il va se concentrer sur cela. Et cette difficulté, c'est-à-dire de ne pas trouver
ce que je cherchais dans les manuscrits m'a amené à deux réflexions en parallèle. Deux réflexions qui sont liées au jeu de rôle en fait. Une qui s'est exprimée dans l'édition et l'une qui s'est exprimée dans une start-up. Dans l'édition, je me suis dit, qu'est-ce qui manque aux écrivains en herbe pour écrire un peu mieux? Et quelle est la dernière fois que j'ai vu dans l'édition quelque chose que je trouvais vraiment très original? Et en y réfléchissant bien, le dernier moment où j'avais vu une sorte de piste littéraire très originale dans l'édition, c'était entre 95 et 98, au début des éditions Nemos. Au début des éditions Nemos, il y a eu toute une génération de jeunes écrivains français qui étaient issus du jeu de rôle, qui avaient été des contributeurs de près ou loin de Casus Belli, qui à l'époque était vraiment le magazine des rôlistes. Et tous ces romanciers qui venaient du jeu de rôle, qui avaient été scénaristes, joueurs, concepteurs de jeux, ont pondu pendant une dizaine d'années toute une série de romans fantastiques. C'était des gens comme Fabrice Colin, David Calvo, Mathieu Gabory et plein d'autres. Indirectement aussi Jean-Philippe Jaborski, qui est maintenant reconnu principalement comme romancier. Donc je m'étais dit, le jeu de rôle, c'est une très bonne école pour des écrivains en herbe. C'est une bonne école parce que dans le jeu de rôle, on se tourne vers les autres et on se souvient que, c'est-à-dire, on est tous autour d'une table et donc on s'adresse aux autres et on se souvient que l'écriture a d'abord un des aspects de l'écriture, c'est la communication. Quand on lit beaucoup de manuscrits, on se rend compte que les gens ont du mal à sortir de leur tête et donc on écrit des choses qui sont parfois pas très lisibles par une deuxième personne. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est que dans le jeu de rôle, on va improviser. Et dans l'écriture, on a besoin d'improvisation, c'est-à-dire d'une sorte de vivacité dans l'écriture, de produire beaucoup de brouillons. Et souvent, les écrivains en herbe écrivent une ligne et pensent que la ligne restera dans leur roman final, alors qu'il faut admettre que pour écrire un roman qui fera 150 pages, parfois il faut en écrire 300, 400, 500. Donc tout d'abord s'adresser aux autres, la communication, deux, l'improvisation, et trois, le dernier truc qui était important pour les rôlistes, mais qui est un peu secondaire, c'est que les rôlistes finalement ont une certaine liberté d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que sortir des sentiers battus, partir un peu dans tous les sens, et voilà. Et ces trois caractéristiques, ça fait potentiellement des romanciers et romancières très intéressantes. Donc c'est ça qui m'intéressait dans le jeu de rôle. Donc je suis allé regarder ce qui se faisait en jeu de rôle pour essayer de grappiller des auteurs. Et l'autre réflexion que j'ai eue, qui est la réflexion qui est liée à DraftQuest, qui est donc la start-up que j'ai développée en parallèle de ma maison d'édition, c'est de me rendre compte que quand vous vous lancez dans l'écriture, tout le monde pense savoir écrire parce que on nous a appris à écrire à l'école, alors qu'en fait écrire un roman, ça va exiger des compétences qu'on n'a pas spontanément et qu'il va falloir exercer. Et DraftQuest, c'est devenu une sorte d'outil de formation pour des écrivains en herbe, c'est-à-dire c'est des ateliers d'écriture, c'est des vidéos gratuites d'écrivains qui viennent parler de comment on construit un personnage, comment on construit une histoire, ce type de choses. Donc en fait il y a ces deux activités qui ont une polarité différente, c'est-à-dire côté édition, mon but c'est de récolter des auteurs. Et côté DraftQuest, c'est plutôt d'aider les gens à se former. Donc d'un côté, je m'adresse aux lecteurs, et d'un côté, je m'adresse plutôt aux auteurs. Alors, moi j'ai une démarche assez, assez différente, puisque donc je suis pas éditeur, je suis pas créateur. Moi j'ai commencé tout petit par être passionné d'abord par la bande dessinée. Je dessinais beaucoup, j'imaginais mes histoires déjà en maternelle ou en primaire. Le jeu de rôle est venu après, dans mes années collège, adolescent. Donc j'ai démarré dans les mêmes années que mon camarade, dans les années 80. D'abord avec L'Œil Noir, ensuite avec... je suis allé dans un club de jeu de rôle et du coup là j'ai touché un petit peu à tout, les Toulouse, Stormbringer, Rêve de Dragon, etc. En tant que maître de jeu, j'ai été maître de jeu à Oakmoon, j'ai fait beaucoup de l'univers White Wolf, Vampire, Loup-Garou, tout ça. Encore beaucoup d'autres, mais je m'en souviens plus. L'idée de la bande dessinée m'a jamais quitté. Alors ça a été long, mais j'ai toujours continué un petit peu en amateur. Et là, il y a quelques années, j'ai trouvé un éditeur pour un projet. Et donc j'ai sorti mes premiers albums en pro.
dont j'écris une histoire qui est plutôt contemporaine, avec de l'aventure, de l'enquête, un petit peu de fantastique, de paranormal, d'occulte, ce qui rejoint un petit peu la conférence d'avant. Je suis tout à fait dans ce domaine-là. Et donc, en quoi le jeu de rôle a été utile pour me lancer dans la bande dessinée, ça m'a aidé, en fait, je me suis rendu compte après, à structurer ce que je faisais. Les nombreuses années où j'ai été maître de jeu, j'ai utilisé d'abord des jeux existants, des scénarios existants. Après, ne trouvant plus ce qui m'intéressait dans les scénarios existants, j'ai commencé à imaginer mes propres scénarios. Donc imaginer ses premiers scénarios de jeu de rôle, déjà, c'est un peu compliqué, mais avec l'entraînement, ça vient. J'ai ensuite, il m'est arrivé de créer mes propres jeux, soit sur un univers existant, soit sur un univers inventé, d'imaginer mes propres règles. Tout ça aussi, ça développe l'imagination, ça aide à structurer la façon dont on raconte une histoire. Et donc tout ça m'a été utile ensuite quand je me suis lancé dans la bande dessinée. Première chose, quand on veut créer donc soit un roman ou une BD, il faut imaginer des personnages qui aient une certaine épaisseur, qui aient une psychologie, et ensuite il faut les insérer dans une intrigue. Donc créer des personnages, ça c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement grâce au jeu de rôle. Dans tous les jeux de rôle, on a des moyens de créer les personnages. Alors même si c'est pas avec des caractéristiques chiffrées, il y a au moins des termes qui permettent de créer un aspect physique, une personnalité de base, une personnalité plus profonde avec peut-être des motivations qu'on ne perçoit pas au premier abord, ce genre de choses. Et ensuite, arriver à les mettre dans une intrigue qui soit à la fois cohérente, qui soit dynamique, qui soit intéressante pour le lecteur. Tout ça, quand on a fait du jeu de rôle et qu'on a créé des scénarios, ça vient naturellement. Parce que finalement, créer un scénario de jeu de rôle, c'est presque plus difficile que d'écrire un roman ou écrire une bande dessinée. Parce que dans un scénario de jeu de rôle, on doit se baser sur ce que vont peut-être faire nos personnages. Ou peut-être pas. Et donc, il faut imaginer diverses possibilités. Et il y a plusieurs manières de créer un scénario. Soit on fait un scénario linéaire où on dirige nos joueurs, comme en parlait mon camarade de gauche. Soit on crée des scénarios à plusieurs pistes. Ou alors on crée simplement un environnement avec des personnages, des motivations qui vont réagir en fonction des actions de vos personnages. Donc voilà, toutes ces manières de créer un scénario et une histoire m'ont aidé à travailler sur la bande dessinée. Bon, après je pourrais parler aussi de l'aspect graphique, parce que comme j'étais souvent le seul dessinateur à ma table de jeu de rôle, c'était moi qui étais chargé de dessiner les personnages de tous mes camarades. Donc ça m'a aidé aussi à développer le dessin, mais c'est un peu autre chose. Maintenant, depuis que je me suis lancé dans la BD, j'avoue que j'ai plus beaucoup le temps de jouer. C'est un peu dommage. J'ai fait aussi un peu de jeux de rôle écrits sur Internet, sur forum ou autre. Justement, quand je commençais à avoir un peu moins de temps pour le jeu de rôle sur table, parce que le jeu de rôle sur table, il faut toujours arriver à réunir les joueurs. Alors à mon époque, ça se faisait physiquement. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les webcams, on arrive à faire ça autrement, mais moi, c'était toujours la difficulté. Et quand on a commencé tous à avoir des familles, des femmes, des enfants, pouvoir se réunir un soir à plusieurs pour pouvoir continuer le scénario qu'on avait commencé 3 mois avant, c'était compliqué. Donc du coup, j'ai un peu freiné sur le jeu de rôle sur table, jusqu'à avoir totalement arrêté maintenant. J'ai fait un peu de jeu de rôle écrit, mais c'est pareil, c'est une autre manière de jouer, et c'est un peu prenant également, c'est chronophage. Et du coup, maintenant, j'en fais quasiment plus. C'est un peu le revers de la médaille, mais je trouve un autre plaisir dans la création, dans l'écriture et le dessin. Du coup, je rebondis pour poser la même question à mes camarades. Est-ce qu'avec vos nouvelles activités, maintenant, vous trouvez encore le temps et l'envie de jouer? Je vais rebondir sur un autre truc intéressant dont tu parlais. C'est sur le fait que le jeu de rôle pouvait être une inspiration pour l'écriture et servait justement à structurer. C'est vrai. Par contre, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on écrit du jeu de rôle ou qu'on est un bon meneur qu'on va être un bon romancier.
c'est pas le même travail non plus. Ça aide, très clairement, parce qu'effectivement, il faut apprendre à s'adapter, apprendre à créer des intrigues, et apprendre à s'adapter au niveau des personnages, ceux qu'on a créés, mais aussi ceux qu'on n'a pas créés, c'est-à-dire vos joueurs. Mais c'est pas le même travail. Donc, faire une campagne, jouer une campagne, ça peut servir d'inspiration. Il faut que ce soit que ça, une inspiration. Retranscrire une campagne de jeu de rôle en roman, ça marche pas. C'est comme quand on vous raconte une partie de jeu de rôle à l'oral, vous trouverez jamais les mêmes sensations que la personne qui vous la raconte les a vécues. C'est pas forcément logique, parce qu'effectivement, les joueurs, ils vont partir dans tous les sens. Et si vous partez dans tous les sens dans un roman, il y a un moment donné, on va le reposer, puis on va se dire, je sais pas où il veut aller. Donc voilà, ça demande aussi du travail. Mais c'est effectivement, potentiellement, un très très bon outil d'inspiration et de préparation. Sur lequel on peut se baser pour ensuite écrire un roman. Je pense notamment à Maxime Chattam, qui est un gros gros rôliste, qui est un gros gros romancier aussi. Et j'ai publié un jeu de rôle qui s'appelle Crime, la deuxième édition. Et en fin de compte, il a écrit deux de ses romans préférés après avoir joué une campagne. Donc il s'est servi de la campagne en inspiration pour ensuite écrire un roman. Où les intrigues sont différentes, etc. Tout n'est pas, c'est pas une retranscription de la campagne, comme je le disais, mais ça lui a permis effectivement d'explorer certaines idées, d'en avoir d'autres grâce à ses joueurs, etc. Et d'avoir des romans qui ensuite fonctionnent différemment. Mais voilà, donc ça peut être une très bonne inspiration, mais effectivement, faut pas se dire que c'est parce qu'on écrit des scénarios de jeux de rôle, etc. Ça aide, c'est clair, mais c'est pas une garantie que vous êtes un bon romancier non plus. C'est pas le même exercice. Il y a des ponts, et justement, c'est là pour, on va dire, c'est très bien qu'il y en ait, mais comme disait David, y a souvent des erreurs qui sont faites, et ça, c'en est une, notamment chez les rôlistes aussi. Est-ce que tu arrives encore à jouer Alors oui, moi j'arrive encore à trouver le temps de jouer, parce que effectivement, comme on disait, c'est quand même un bon exercice, un bon outil pour pouvoir se développer son univers, sa trame, etc. Je fais encore du JDR papier surtout, donc avec les moyens numériques qu'on a maintenant, donc tout ce qui est sur Discord, sur Skype, on arrive un peu plus facilement à se trouver des créneaux horaires pour pouvoir jouer, donc voilà, c'est quand même plus pratique. Star Wars, on arrive un petit peu à se réunir une fois par mois, donc voilà, je me prends encore cette liberté de continuer à faire du jeu de rôle et à mener un petit peu, je fais un peu de MJ aussi, donc il m'a donné ces automatismes un petit peu que vous avez décrit tout à l'heure. Au-delà de ça, par contre, le forum RP, et là j'ai plus vraiment le temps et je le regrette beaucoup, vu que je suis sur l'écriture de romans et vous savez, je pense à quel point c'est chronophage, mais oui, là encore, le forum RP, c'était pour moi un très très bon outil qui m'a permis de développer ma créativité, les constructions même au sein de mes propres personnages, de scénarios, parce que en dehors de ça, j'étais aussi admin sur le forum spécialisé sur le scénario, donc j'instillais chez les joueurs une grosse trame qu'ils suivaient ou pas d'ailleurs, et moi mon rôle c'était de voir un petit peu tout ce que les joueurs, et il y avait beaucoup de joueurs, faisaient, et à partir de là je piochais quelques idées qui me permettaient d'implémenter un petit peu dans mon scénario d'autres pistes qui pouvaient exploiter ou non. Donc c'était ça aussi je trouvais dans le JDR et le forum RP surtout, cette dynamique et cet échange que je pouvais avoir avec des joueurs qui répondaient à certains, ou pas d'ailleurs, énigmes que je pouvais poser, ou des gros événements qui pouvaient arriver sur les forums. Je faisais essentiellement du forum Senseiya, voilà, donc avec des intrigues parfois un peu plus politiques, un peu plus sombres, parce que j'aime ça. Donc j'ai un peu transformé l'univers parfois avec le MJ que j'ai actuellement. On a travaillé là-dessus, sur un univers un peu plus sombre, un peu comme à la vampire, où ça se plante des couteaux dans le dos, où il y a des situations politiques un peu différentes entre chaque camp. Enfin, si vous connaissez un peu Senseiya, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, tout ça m'a permis un petit peu d'alimenter ma propre créativité, des automatismes que j'ai pu réutiliser
utiliser dans l'élaboration de romans. J'ai encore cette démarche de rôliste dans mes romans. Là, le roman que j'ai écrit, par exemple, c'était sur l'un de mes personnages avec qui j'ai pu tisser toute une histoire, je l'ai réadapté, j'ai fait énormément de recherches parce que le rôle principal, je pense, à mon sens, d'un écrivain, c'est d'être curieux de tout et de faire d'être un chercheur, en fait, je pense surtout. D'être curieux, je crois que tu en parlais, Jérémy, d'ailleurs, le fait d'être curieux, d'avoir de plus en plus de savoir, d'en récolter. Il faut vraiment être, en fait, vraiment, pour être écrivain, il faut être super curieux, s'intéresser à tout un tas de choses. Par exemple, une anecdote à la con, je me suis intéressée comment ça fonctionnait pour le système pour les pigeons voyageurs ou un cheval, combien ça mettrait de temps de Paris jusqu'à Chinon ou n'importe quoi. Enfin, ça, on pose vraiment des questions un peu what the fuck comme ça, mais qui sont très rigolotes à trouver, à chercher et à s'approprier, parce qu'on s'adapte, on s'approprie beaucoup de choses aussi. Donc on fait aussi un peu de réécriture, je pense, dans le sens. Et donc pareil, le JDR, le RP, ça nous permet de le faire souvent. Donc non, hélas, en tout cas en ce moment, je n'en fais pas autant que je voudrais, mais parce que je suis sur le tome 2 de mon roman. Mais voilà, je prends quand même le temps de faire du JDR papier. Je continue d'échanger beaucoup avec les autres joueurs, avec le MJ. Et ça, avoir cette notion de communication dont vous en parliez, c'est important, je le pense. Hein, le travail de l'écriture, c'est tellement solitaire, mais il faut aussi savoir sortir de sa bulle et de sa caverne et de dire voilà ce que j'ai fait, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut communiquer beaucoup, en fait. Et ça, j'avais énormément de mal au début. Mais c'est vrai que le JDR, le fait d'être face à des situations, à jouer, interpréter son personnage, ça a beaucoup aidé. Et l'interprétation, même quand on crée ses personnages, quand on crée un roman, c'est hyper important. On se met un petit peu dans la peau de son personnage qu'on incarne, que j'ai beaucoup incarné, voilà, Aurora, dans mon bouquin L'Équerre écarlate. Je l'ai beaucoup joué, je l'ai joué 5 ans sans forum RP. Donc en 5 ans, elle a eu le temps de beaucoup vivre beaucoup de choses. Moi aussi, de vivre beaucoup de choses aussi, et du fait j'ai pu faire le lien entre l'IRL et la fiction et pouvoir faire quelque chose d'un peu sympa et me l'approprier et du coup de le transposer au roman. Voilà. Mais oui, je continue de faire en tout cas un petit peu de JDR. Et David, toi, tu as encore le temps de jouer ? Moi, je me suis remis à jouer il y a quelques années. C'est vrai que j'ai eu une assez longue période sur la fin de mes études où je ne jouais plus du tout. Et je suis revenu au jeu par deux mécanismes. C'est d'une part, il y a depuis 10-15 ans beaucoup de jeux indépendants qui sont assez loin des jeux que moi je connaissais quand j'étais adolescent. Donc c'est des jeux avec des mécanismes assez simples, des parties assez courtes, pas de campagne ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des jeux qui sont plus faciles à caser, en fait. Par exemple, sur l'année dernière, j'ai fait plusieurs parties d'un jeu qui s'appelle Innommable, qui a un mécanisme de jeu extrêmement simple. Alors après, ça, c'est souvent avec des joueurs qui sont eux-mêmes expérimentés, donc on a des circuits, c'est-à-dire on a des réflexes comme ça qui fait que c'est assez simple. Mais j'ai fait un peu de ça, et puis j'essaye aussi de me mettre au jeu de rôle avec mes enfants, ce qui s'est révélé très complexe parce que j'ai testé presque tous les jeux de rôle pour enfants, il n'y en a aucun qui est bien et utilisable, donc, mais vraiment bien. Mais c'est révélateur d'un truc très simple, c'est que les concepteurs de jeux de rôle n'ont pas d'enfants. Donc il y a par exemple un jeu de rôle qui est très bien pour adultes mais qui est présenté pour enfants, qui est un jeu de rôle qui s'inspire beaucoup de Miyazaki. Et en fait, il faut avoir vu tout Miyazaki, tout Final Fantasy, tous les trucs comme ça, il faut avoir lu tout Fairy Tail, tout ça, pour réussir un peu à écorcher la surface du jeu, quoi. Donc non, il n'y a pas de jeu de rôle pour enfants, donc je me suis retrouvé à bricoler à partir des livres dont vous êtes le héros, des Chroniques oubliées, Donjons et Dragons, un système hyper bâtard qui n'est pas hyper satisfaisant. Mais c'est intéressant comme expérience, parce que on dit souvent dans l'édition que les meilleurs lecteurs, c'est les enfants et les adolescents, parce qu'en fait, ils sont très exigeants sur des questions de netteté narrative. D'une certaine façon, le premier jet de votre roman, vous le faites pour des adultes. C'est pas grave si vous partez dans... vous partez dans tous les sens, les adultes, ils s'en foutent un peu, généralement. Par contre, les enfants ou les ados, les intrigues secondaires qui servent à rien, les réflexions du personnage qui font pas avancer l'intrigue, les phrases tordues, la recherche de mots qui, pour faire littéraire, ce genre de coquetterie, ça les touche pas du tout. Donc c'est intéressant comme expérience de jouer avec des enfants.
Après, pour compléter sur les différents bénéfices de la pratique du jeu de rôle sur l'écriture, c'est aussi que quand on reçoit des manuscrits, on se rend compte que souvent, comme c'est dur d'écrire, il y a peu de travail préalable qui a été fait à l'écriture. C'est-à-dire les gens se lancent dans l'écriture, ils empilent les pages, alors que les gens qui sont scénaristes ou concepteurs de jeux font tout un travail sur la création de monde. Et en fait, un bon roman a toujours un monde qui doit avoir été créé de manière antérieure. Et ce travail d'arrière-monde, souvent, il est très insuffisant. Il est très insuffisant en littérature générale, notamment. C'est-à-dire en littérature générale, même si vous écrivez un roman qui se passe au Salon du Fantastique à notre époque, il faut faire un travail sur ce monde, c'est-à-dire un travail quasi documentaire sur ce monde-là. Après, pour aller dans le sens de Jérémy, ce qu'on fait dans le jeu de rôle et ce qu'on fait en littérature, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire que le travail de création de monde que vous avez fait, c'est très bien, il est utile pour l'écriture, mais il va falloir, au moment où on écrit, prendre un tout petit peu de distance, parce que parmi les trucs horribles qu'il peut y avoir dans un manuscrit, il y a le moment documentaire, que j'appelle parfois le moment carte postale, où pendant 16 pages, on va nous expliquer le système politique de la planète Zorglub. Et là, c'est une sorte de tunnel pour le lecteur, mais qui est encore plus dur pour l'éditeur, parce que lui, il va se taper pas mal de tunnels dans la journée. Et donc, il faut faire cet effort de création de monde, en se disant que ça a un impact sur votre manière d'écrire, mais qu'après, quand on est dans l'écriture, il faut prendre un peu de distance vis-à-vis de ça, en ayant confiance sur le fait que si vous avez fait ce travail en amont de création de monde, d'une certaine façon, ça va s'infiltrer dans votre manière d'écrire. Ça va donner plus de naturel au monde que vous donnez, ou des choses comme ça. Ça va éviter des grosses incohérences, surtout que souvent les lecteurs vont repérer les incohérences que vous n'auriez plus à repérer, parce que ça fait 6 mois que vous êtes dedans, qu'au bout d'un moment vous en avez marre, vous avez envie de passer à autre chose, et voilà. Donc c'est aussi un autre aspect, la création de monde. Et pour aller encore dans le sens de Jérémy, je n'ai pas en serait ce que tu as dit sur une partie de jeu de rôle et un roman, c'est complètement différent. Je pense effectivement que transcrire... Alors, il y a des gens qui transcrivent leur partie de jeu de rôle. Donc, je connais des gens qui ont, par exemple, qui ont une table tous les lundis soirs, et tous les mardis, on reçoit par email la transcription de leur partie. Et ils font un Cthulhu qui dure depuis presque 15 ans, donc c'est intéressant, mais d'un point de vue littéraire, c'est complètement nul. Ça n'a aucun intérêt. Mais je pense que ça pourrait être intéressant comme une sorte de premier jet qui peut servir de base pour une réécriture. Mais derrière, il y a une réécriture massive. C'est-à-dire, il va falloir dissocier les personnages, les analyser, voir quel est l'enjeu de chaque personnage, quel est vraiment son odyssée personnelle au cours de l'histoire. Il faut couper tout le gras, parce que quand on joue dans une vraie partie de jeu de rôle, on fait des bifurcations, des choses comme ça, où on s'amuse bien, ça fait des super scènes, sauf que dans un roman ou dans un scénario, il faut que toutes les scènes répondent à une nécessité dans la progression de l'histoire, ce qui n'est pas le cas dans une partie de jeu de rôle. Et donc je serais moins sévère que toi. Je pense que on peut prendre une transcription de partie, parce que c'est tellement dur justement de créer un premier jet que ça vous donne une sorte de premier jet sur lequel vous pouvez exercer votre ingéniosité lors de la réécriture. Mais effectivement, vous êtes parti pour des semaines, des mois de réécriture, et là encore, bon, il y a ce travail de mise à distance, de se dire qu'il va falloir tout recomposer. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut être une aide. Je voulais enchaîner là-dessus aussi, justement, sur le fait qu'on ne peut pas retranscrire directement une partie de jeu de rôle. Il y a quand même des contre-exemples, notamment en bande dessinée, parce que ça m'a tout de suite fait penser aux Chroniques de la Lune Noire, pour ceux qui ont connu. Parce que les Chroniques de la Lune Noire, du scénariste Froideval, il a transcrit directement en BD les aventures de son personnage de jeu de rôle. Wismeril, c'était son personnage de Donjons et Dragons. Et ça se voit d'ailleurs quand on lit les 3-4 premiers tomes de la série. Pour ceux qui ont fait le jeu de rôle, tout de suite on voit que c'est une partie de jeu de rôle, parce que c'est effectivement, ça n'a aucune cohérence. Il y a des intrigues secondaires qui mènent nulle part, des personnages qui surgissent dans le ciseau. Et à certains moments on se dit, ah tiens, là il a dû faire une réussite critique sur son jet de dé, là il a fait un fumble. Quand on le lit en rôliste, c'est clair et net. Mais par contre l'histoire n'a aucune cohérence. Et il s'est rattrapé sur la suite de la série, alors je sais plus, à partir des tomes 4, 5, 6, on voit qu'il a commencé à travailler son scénario, qu'il a un peu laissé de côté
ses souvenirs de partie et qu'il a structuré son histoire. Mais au départ, c'était pas du tout ça, c'était vraiment la retranscription quasiment telle quelle d'une partie de jeu de rôle. Et pourtant, c'est une série qui a eu un succès fou. Donc, on peut dire qu'au niveau des qualités scénaristiques, c'était pas génial, mais n'empêche que le public a suivi. Donc après, est-ce qu'il faut chercher absolument à avoir une super qualité scénaristique? Voilà, le public peut aussi attendre d'autres choses. Cela dit, quand tu parlais des descriptions à outrance dans les romans, moi, dans ce que je fais, j'ai tendance à essayer justement de ne pas avoir de séquences plates où il ne se passe pas grand-chose. Chaque fois que je veux introduire une nouvelle information, j'essaie toujours que ça se passe dans l'action. Ça, c'est important. C'est une petite astuce d'écriture qu'effectivement il faut avoir et qui ne correspond pas forcément au jeu de rôle. Séance de questions sur la fin, dans le dernier quart d'heure, là il nous reste encore 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui voudraient intervenir, ou est-ce qu'on continue? Moi j'ai peut-être encore une toute petite remarque. En fait, tout à l'heure, on va faire, dans le week-end, il y a pas mal d'ateliers qui sont organisés. Donc moi, je fais tout à l'heure un atelier Draft Quest, qui est un atelier sur la création de personnages. Et justement, c'est un atelier spécifique Draft Quest, qui est très inspiré par une expérience de rôliste très particulière, qui est, dans les années 90, j'ai été joueur, puis meneur ou maître. À l'époque, on disait maître, maintenant on dit meneur, sur Vampire. Et en fait, les jeux de rôle classiques fonctionnent, il y a deux mécanismes. Il y a l'aspect gaming, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est chiffre et qui est associé aux situations de manière à créer un effet de réel, c'est-à-dire je suis en bas de la tour, et je saute et j'atteins le deuxième étage. Là on dit non parce que faudrait que tu réussisses à faire 18 avec 3 dés de 6, donc essaye, et voilà. Donc ça c'est la partie gaming. L'autre mécanisme du jeu de rôle, c'est le role-playing classique, c'est-à-dire interpréter des personnages. Et en fait, Vampire, ça a été un des premiers jeux où il y a eu un énorme effort fait sur la partie role-playing. C'est-à-dire dans les premiers Donjons et Dragons, la notion de psychologie est absente, vous faites ce que vous voulez. Alors s'il y a des petites... on vous pousse dans un sens, c'est-à-dire le voleur il est un peu sournois, le barbare il est un peu con, et voilà. Il y a un peu ça dans les premiers Donjons et Dragons, mais c'est de la psychologie un peu limitative. Et dans Vampire, en fait, il y a la création d'un moteur de jeu où on incite, on donne des clés aux joueurs pour maîtriser leur personnage d'une manière un peu codifiée, c'est-à-dire que le personnage a toujours une attitude et une nature. L'attitude, c'est ce qu'il a vis-à-vis, comment il se comporte vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de lui-même. Et la nature et l'attitude peut changer, évoluer, c'est l'odyssée de la transformation du personnage. Par contre, la nature, c'est une sorte de noyau du personnage, il n'y a pas énormément bouché. Et c'est vrai que c'est une très très bonne clé pour construire des personnages intéressants, et souvent même dans les bons romans ou les bons films hollywoodiens, les personnages fonctionnent sur ça. C'est-à-dire que l'odyssée de la transformation, qui est un peu le scénario typique américain, c'est vraiment l'attitude du personnage qui a changé et qui consiste pour le personnage à essayer de découvrir sa nature. Donc c'est cette création d'un personnage à deux étages, à deux niveaux, c'est un mécanisme de jeu de rôle très simple, très codifié, mais qui est effectivement un mécanisme de création littéraire aussi qui est très utile. Bonjour, je m'appelle Jonas, je suis rôliste. En fait, j'ai un parcours complètement différent du vôtre, à savoir que moi, tant d'enfance, j'ai été bercé par Tolkien, par tous ces heroic fantasy, en fait, Harry Potter.
parler d'autres. Et je crois qu'en fait, c'est ma première lecture de la bande dessinée de Donjon d'Albuck, qui est sortie bien après, évidemment, la série audio. Là, je me suis complètement intéressé à l'écriture. Évidemment, j'avais entendu parler du jeu de rôle, notamment par Donjon d'Albuck, mais pas que. Et au final, je me suis vraiment essayé à l'écriture et de l'heroic fantasy surtout. Et en fait, j'ai commencé réellement à partir de mes 14-15 ans environ. Et après ça, en fait, je ne me suis plus vraiment arrêté d'écrire. Et c'est juste un jour, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant effectivement de pouvoir jouer, ne serait-ce que jouer au jeu de rôle. Et comme un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un truc qui vient assez rapidement. Quand on joue, on a envie de raconter aussi ses propres histoires. Et là je me suis un peu plus intéressé à l'aspect maître du jeu. Et c'est un truc que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à jouer et qui sont aussi prêts à devenir maître du jeu. Par contre, il n'y a pas assez de monde qui saute le pas. Et du coup, c'est une très bonne initiative de simplement effectivement apprendre aux gens à écrire. D'ailleurs, je pense que j'irai à un de vos ateliers, parce que ça m'intéresse énormément. Et c'est un truc tout bête, mais en ce moment, moi, ce que je fais, c'est en tant que maître du jeu, c'est que j'essaie de créer soit des petits univers, soit simplement des systèmes de jeu qui peuvent s'adapter à beaucoup d'univers. Et j'essaie de faire en sorte, en fait, de les diffuser un maximum, gratuitement. Donc généralement à mes amis, pour qu'eux-mêmes deviennent maîtres du jeu et vraiment s'essayer à ça. Et c'est vraiment une initiative que j'encourage énormément. Et du coup, voilà. Enfin, c'était juste mon expérience en fait en tant que joueur. J'avais pas vraiment de questions à vous poser, mais bon. Et du coup, voilà. Et j'étais très intéressé par la conférence. Merci beaucoup. Ouais, non, je voulais te demander justement c'était quoi la question. Oui, non, c'était quoi la question. Sinon, après, enfin, ce que tu dis par rapport aux maîtres de jeu et des joueurs, t'as plus de lecteurs que d'écrivains. C'est pas si différent que ça. T'as eu un parcours entre guillemets entre le jeu de rôle et l'écriture qui peut te sembler différent, mais ben, moi j'ai lu comme avant de faire du jeu de rôle, j'ai même fait de la figurine avant de faire du jeu de rôle. Enfin, je suis un rôliste tardif moi. Mais donc voilà, c'est pas un souci on va dire. Non, c'était juste mon expérience en tant que rôliste. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais parler fort. Alors, je suis un ancien rôliste anonyme aussi, la situation. Je suis aussi co-scénariste. J'ai fait des tournées de héros, on fait des BD, des vidéos, un peu de roman lunaire. Effectivement, chaque jour est différent. Pas parce que des bons romanciers qui fait des BD, qui font des bonnes parties de rôle, des bonnes jeux vidéo. Mais à chaque fois, il faut s'adapter. Je trouve que je connais l'anatomie du scénario, où il parle
de la voix des personnages, moi je n'arrive pas à faire ça dans la vie. Donc effectivement, c'est un guide très légitime de l'entraînement. On a décidé de comment se comporter avec eux, avec machin, on voit ça dans le rôle de base, c'est tout le monde en haut. Donnant, ils détestent les aides, même détestent les rats, ils détestent les hôpitaux, etc. Merci. Effectivement, pour rebondir sur l'aspect du jeu vidéo, c'est aussi encore une fois un bon outil à utiliser. Je viens du domaine du game design, là-bas je suis diplômée en game design. Donc effectivement, là encore, avec ces notions de game design, on utilise beaucoup ces petites astuces, ces petits trucs pour encore construire un scénar, construire des persos, etc. etc. Ça aide beaucoup, c'est à cette réflexion. Ce travail-là, c'est encore une fois, avec le RP, le JDR, un bon exercice, ouais, le game design. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour. Désolée. Hein. Voilà. Vous avez beaucoup parlé. Oui, clairement. Vous avez beaucoup parlé du premier jet et après de la réécriture. Qu'est-ce que vous entendez par réécriture exactement ? C'est qu'au moment où tu as fini ton premier jet, bah, tu ne présentes pas un éditeur. Tu le réécris. Parce que, hormis si tu écris un roman en 3 jours sans t'arrêter, tu vas évoluer. Tes idées vont évoluer entre le moment où tu as commencé et le moment où tu le termines. A priori, c'est quelque chose qui est assez difficile souvent pour les écrivains en herbe, c'est de ne pas revenir ou de ne pas réécrire sans cesse le même passage. Parce qu'effectivement, on se dit « Ah ouais, mais j'avais pas pensé à ça, donc je vais le remettre en fait avant pour que ce soit... » Et déjà, souvent, il y a une forme de réécriture, déjà. C'est utile, mais ça aide pas à finir. Par contre, effectivement, on peut noter des idées, etc. On se dit, voilà, ouais, j'aurais peut-être dû penser à inclure ça avant. Non, il faut continuer. Tu vas jusqu'à la fin de ton premier jet. Et là, ensuite, tu le réécris avec justement les nouvelles idées que tu as pu avoir, ce genre de choses, qui vont enrichir, densifier ton roman, ta nouvelle, peu importe. Mais souvent, le premier jet, bah, c'est ce qu'on appelle un brouillon, en final. C'est un bon brouillon, à la limite, parce que c'est pas juste un gros truc avec plein de ratures, surtout sur Word, maintenant, voilà. Mais à la fin, c'est pas parce que t'as fini, t'as mis le mot fin à la fin de ton fichier, qu'il est prêt à être présenté à un éditeur, ou que, à la limite, ça va intéresser des lecteurs. Parce qu'effectivement, souvent, ça redemande un certain retravail, une réécriture, pour pouvoir justement reprendre à zéro et voir si on n'a pas raté des choses, si on n'a pas essayé d'en remettre alors que finalement c'était pas indispensable, ce genre de choses. Oui, je voudrais aussi poursuivre là-dessus parce que du coup, moi, en bande dessinée, c'est un peu différent parce que, au départ, forcément, j'écris pas un roman. J'écris plutôt un scénario comme on peut l'imaginer en cinéma, c'est-à-dire découpé en scène. Et en plus, moi, j'ai un format limité. Et autant pour un roman, on peut multiplier le nombre de pages. Après, bon, ça dépend de l'éditeur, mais l'éditeur va pas imposer 200 pages tout pile, par exemple. Autant en BD, on a des albums de 50 pages et puis il faut s'y tenir. À chaque fois, chaque album fera 50 pages. Donc du coup, moi, mon scénario doit tenir dans ce format limité. Donc quand j'écris mon histoire, j'écris un synopsis qui tient sur 2-3 pages, pas plus, avec des idées générales. Le problème, c'est que j'ai de l'imagination, j'ai beaucoup d'idées. Et du coup, au fur et à mesure, je me rends bien compte que tout ce que je mets ne tiendra pas dans mes 50 pages. Donc après, il y a un écrémage à faire. Le format bande dessinée oblige à aller à l'essentiel. Je suggère de retirer beaucoup de choses, parfois de laisser des idées en disant ça me plaît beaucoup, mais ça n'ira pas dans cette histoire, je ne peux pas le mettre, je le réutiliserai plus tard. Et du coup, à faire une histoire très, très dense et dynamique en ne conservant que l'essentiel. Voilà, y a un travail qui est assez différent du roman.
D'où effectivement une écriture à plusieurs échelles, d'abord avec quelques idées, une structuration, ensuite un écrémage, une réécriture, enfin voilà, c'est assez différent du roman. Pour rebondir sur l'écriture de roman, effectivement, quand on a posé fin, et ça m'est arrivé il y a 2 semaines, sur mon tome 2, j'ai écrit fin, mais je sais que le travail, en fait, ne faisait que commencer. C'est-à-dire, mon roman, là, celui-ci, je l'ai écrit peut-être en 6 mois, en tout. Et une fois que j'ai posé mon mot fin, là, j'ai imprimé. Je ne sais pas, vous le faites sans doute peut-être vous aussi avec vos romans. J'aime bien le format papier, pouvoir toucher, pouvoir raturer, pouvoir barrer, pouvoir surligner. Je me fais encore comme ça des codes où je me dis, tiens, là, la formulation de la phrase est trop maladroite. Cette idée-là, je l'ai retrouvée bien là-bas, mais il faut quand même que je vérifie. Donc là, il y a encore une fois un processus de redécoupage, de restructuration, de voir si la cohérence, ça tient, si ce qu'on a écrit au chapitre 1, ça a bien... faire le lien avec le dernier chapitre, faire des rappels aussi, il y a des petites astuces comme ça à avoir en tête, encore une fois. Vous pouvez avoir en atelier d'écriture. Hein. Moi, je l'ai fait par le biais du RP, parce que j'avais des personnes comme ça qui étaient un petit peu spécialisées là-dedans, et j'ai pu un petit peu voir comment ils faisaient, parce que bon, il faut aussi savoir regarder ce que font les autres pour pouvoir s'enrichir. Et là, le travail d'un écrivain, c'est aussi de continuer à lire, de continuer à analyser, surtout. Maintenant, je me rends compte que plus je lis, et puis en fait j'ai quand même cette lecture où je peux m'évader, où je peux voilà une bonne lecture, et puis, ouais. Mais je suis plus exigeante et je réfléchis à la structure même de la phrase, à la structure de la narration, etc. Et ça je fais beaucoup attention et je reprends ces petites mimiques, ces petites astuces dans moi, la relecture de mes romans, dans mes recorrections, etc. Une petite astuce aussi, si vous voulez, c'est de faire lire son manuscrit. Comme ça, on est sûr d'avoir suffisamment de distance. Parce que ça va faire peut-être 2 ou 3 semaines que j'ai laissé reposer, entre guillemets, et que je viens de recommencer à me remettre dedans et à réécrire, à restructurer, à rebarrer derrière et à reconstruire. Mais je pense que j'ai pas encore, moi, personnellement, assez de recul sur ce que j'ai pu écrire pour être le plus efficace possible et le plus rentable, entre guillemets. Mais voilà, donc, aller faire lire son roman à des chroniqueurs, à des bêta-lecteurs, c'est le terme un petit peu... ou même à votre entourage, etc. Ils vont voir, eux, et analyser d'une manière plus pragmatique ce que vous n'avez pas vu. Voilà, quand vous avez trop le nez dedans, vous ne pouvez plus voir. Alors moi, c'est ce que je rencontre à chaque relecture que je fais, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous barrez, vous recommencez, c'est un travail, c'est comme l'illustration, hein, pareil, je refais sans cesse quand quelque chose ne va pas, je refais, je retravaille derrière, je vais chercher, je vais regarder comment font les autres, je fais des tutoriels pour voir comment s'améliorer, et après je reviens. C'est un aller-retour sur son manuscrit, sur son histoire, etc. Il ne faut pas avoir peur de barrer, de jeter, d'aller au plus simple parfois. On ne peut pas mettre toutes ses idées dedans, même si on s'est dit, ah là, à ce moment-là c'était bien, 6 mois après, on se dit, ah ben non, finalement, ce serait peut-être mieux de construire autrement ou de le mettre sur le tome 3, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter et je pense surtout faire lire à quelqu'un d'autre. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Ah, pour aller dans ton sens, effectivement, ce qui est particulier dans l'écriture, c'est que c'est une des seules pratiques artistiques où on a tendance à se priver de l'appui que les autres peuvent nous apporter. Si vous êtes dans un groupe de rock, vous testez vos mélodies sur les autres. Si vous êtes dessinateur, vous faites des brouillons. Il y a beaucoup de dessinateurs qui travaillent en atelier. Voilà. Moi, je connais pas beaucoup d'ateliers d'écrivains à proprement parler. La plupart des écrivains que j'ai publiés, ils écrivent tout seuls dans leur coin. Voilà. Après, ils ont des techniques, c'est-à-dire ils vont avoir un cercle de premiers lecteurs, effectivement, qui vont les lire un peu au fur et à mesure. Mais pour revenir à la toute première question qui était sur quelle est la différence entre le premier jet et qu'est-ce qu'on fait après le premier jet, c'est que si on regarde, il y a 1000 façons d'écrire, mais si on schématise ça, il y a des gens qui vraiment vont faire un plan et exécuter le plan, et des gens qui vont partir dans une sorte d'improvisation totale. Quelle que soit votre manière de procéder, à la fin, un texte, c'est quelque chose qui est structuré, qui est cohérent, dont le drame, c'est-à-dire les questions dramatiques sont claires, les enjeux sont clairs et dont les thèmes sont assez clairs. Donc, quelle que soit la manière d'y aller, il va falloir à un moment ou à un autre arriver à cette forme de clarté du dessin général de l'ensemble.
Et moi, personnellement, pour enfin, les écrivains avec lesquels j'ai travaillé, généralement, ils se lancent dans l'écriture, ils ont une idée, ils partent dans l'écriture, finalement, ils vont partir un peu dans tous les sens, et à la fin, souvent, l'idée maîtresse du texte, c'est-à-dire l'idée qui va structurer tout le texte, ne leur apparaît qu'à la fin du processus d'écriture. C'est-à-dire, ils découvrent, en fait, ce que je voulais écrire, c'était ça. En fait, le roman que j'ai écrit, c'est un roman sur la résilience, comment on survit à un traumatisme. Au début, je voulais écrire un roman sur la paternité. Je suis parti là-dessus, mais en fait, à la fin, j'ai découvert que ce que j'ai commencé à écrire, ce que j'ai fini d'écrire, c'est un roman sur la résilience. Et donc, je vais réécrire tout ce que j'ai écrit avant, de manière à tout articuler autour de cette idée, de manière à ce que tous les événements dramatiques servent à la progression de cette intrigue, et tous les thèmes résonnent avec ce thème général. Donc souvent, la réécriture, ça va consister à faire ça, c'est-à-dire la réécriture, elle est souvent en deux phases. Il y a une partie réécriture qui est vraiment sur la notion de scénario, et après, il y a une partie qui est vraiment sur la notion de langue, style, ce type de choses. Certains écrivains dissocient ces deux phases de réécriture, certains les superposent complètement, mais c'est ça, c'est-à-dire que souvent, ça demande un tel effort de produire un premier jet que le premier jet, c'est un bouillon un peu immonde, en fait. Et il faut après passer par un travail d'affinement qui peut prendre du temps. Et alors, en fait, on va terminer ici. Par contre, on va être derrière après, donc s'il y a des questions, éventuellement, faut pas hésiter. On est encore là un petit peu, même si on n'est plus devant la table. Là, voilà. En tout cas, merci de votre attention. Et je précise juste aussi qu'il y a David, il me semble, qui à 14h30 fait un atelier. Un atelier écriture qui sera au niveau de la grande scène. Et à 15h30 aussi. Et Guillaume aussi. Non, nous on est en dédicace juste derrière. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et à venir voir nos livres. Voilà. Merci. En tout cas, merci de votre présence.